Donc la ville de Villefranche a souhaité porter le projet Respectons-nous pour travailler sur les incivilités avec les jeunes. L'idée pour nous, c'était de faire connaître davantage les métiers de proximité, de faire connaître les agents qui agissent tous les jours sur le terrain, et puis de favoriser ce lien entre les jeunes et ceux qui font de cette ville ce qu'elle est, une ville agréable et belle à vivre. Ce projet est né d'un groupe de travail du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, il y a déjà quelques mois en arrière. Il se compose de 3 étapes. Une première étape, que sont des débats forums qui se sont déroulés en décembre 2018. Une deuxième étape qui consiste à créer une bande dessinée. Des ateliers dessin se sont tenus sur le premier semestre 2019, accompagnés d'échanges autour de la création de portraits métiers, mettant en avant les métiers de proximité. Et une troisième étape
qui est donc la diffusion du reportage final que vous découvrez aujourd'hui, tous ensemble réunis. Le travail sur les incivilités est particulièrement pertinent dans le cadre scolaire. Les notions de climat scolaire étant au centre des fonctionnements d'école, des priorités qui sont les nôtres et notamment qui vont dans le sens de créer un vivre ensemble harmonieux, sachant que c'est ce vivre ensemble harmonieux qui sera vecteur de réussite scolaire. Alors, la lutte contre les incivilités, ça s'inscrit directement dans les programmes scolaires, dans le cadre de la construction d'une culture civique. Dans le domaine de la sensibilité, il s'agit d'apprendre à respecter l'autre, à se mettre à la place de l'autre. Dans le domaine de la règle et du droit, c'est évident, il s'agit d'apprendre à respecter les règles. Et dans le domaine de l'engagement, il s'agit de développer la responsabilité par rapport à soi-même, mais aussi par rapport aux autres. Alors c'est sûr, les incivilités, elles ont souvent lieu dans l'espace public, c'est-à-dire dans l'espace de la commune. Donc dans ce cadre-là, c'est le partenariat avec la municipalité, il est cohérent et primordial. Donc ça a été un soutien pour les équipes, un soutien pour déjà co-construire un projet riche. J'insiste bien sur co-construction d'ailleurs, parce que c'est important pour qu'un projet soit viable, c'est une condition indispensable. Dans ce sens, la coordination avec par Madame Tourez, elle a été appréciable. Elle a permis de mettre en réseau en fait les différents partenaires de l'école, donc les transporteurs, les bailleurs sociaux, la police. Elle a permis que les équipes enseignantes se préparent elles-mêmes au débat forum. Bon, finalement, on a eu des actions comme la préparation des débats forums en classe, le débat forum, l'élaboration du court-métrage. Et toutes ces actions-là, ça donne du sens aux enseignements qui sont réalisés en classe. Alors, le CLSPD a travaillé à la réalisation d'un court-métrage qui nous est un support fort utile pour travailler ces questions avec les élèves autour de débats. Le débat réflexif étant un formidable outil pour les enseignants, pour travailler l'esprit critique, amener chacun des élèves à acquérir une pensée qui lui est propre, avec un regard éclairé sur le monde. Le collège avait une envie de s'inscrire dans la politique de la ville. Nous avons appris que la ville avait pour projet de faire des débats forums sur le thème des chemins d'école. Nous avons donc proposé de tourner un court-métrage sur ce thème-là. Et nous avons utilisé nos étudiants, une classe, des enseignants pour lancer le projet, écrire un scénario, pour balayer un maximum de champs, pour pouvoir toucher tous les publics de diverses générations, de divers âges, de l'enfant à l'adolescent, en passant en allant jusqu'aux adultes. Mais si on veut entrer dans l'univers un petit peu de ces jeunes et puis désacraliser un certain nombre de choses, se rendre plus accessible, il faut aller vers des choses qui vont les attirer. Et puis là, je pense qu'on a mis le doigt dessus, quoi. La bande dessinée, le court-métrage et puis le jeu. Outre le produit fini, je pense que le fait de s'investir dans une production, de sortir quelque chose qui est bien ficelé, qui est construit et qui est très parlant pour l'avoir vu, c'est aussi un moyen de faire venir les jeunes, et puis ça lance un certain nombre de questions, un certain nombre de débats. Donc plus on va pouvoir multiplier un peu ces vecteurs-là avec leur ressort de communication à eux, plus on sera accessible. Du coup, là, effectivement, moi je suis intervenu pour accompagner les élèves acteurs dans le projet, dans le tournage particulièrement. Et j'étais agréablement surpris par la façon dont ils se sont investis, dont ils se sont emparés quand même le sujet, tous à leur degré, certains avec des gros rôles, d'autres même avec des petits rôles. Quand on m'a proposé le rôle, j'étais pas emballé parce que le personnage ne me correspondait pas. Mais au final, je me suis dit... pourquoi pas, ça peut aider beaucoup de gens. Le film en lui-même, il n'est pas choquant, car c'est des scènes qu'on voit dans la vie de tous les jours. Le message du film, pour moi, il faisait sens, c'est-à-dire voilà, de passer par les jeunes pour parler aux jeunes. Enfin, je trouve que c'est une entrée qui est intéressante. On peut avoir, nous, des discours d'adultes auprès des élèves, mais ça reste un discours d'adulte et il y a forcément... de la part des enfants, des ados, une distance genre, ouais, ils sont bien gentils, les vieux, mais voilà.
Là, finalement, c'est des ados qui parlent aux ados, qui mettent en situation ce qu'ils vivent. Et à mon sens, ça, pour eux, ça fait beaucoup plus sens. Quoi. C'est, y a une identification qui est beaucoup plus efficace. Et voilà, enfin, comme on dit, une petite image qui remplace un long discours. Mais là, voilà, une petite vidéo, je pense qu'on remplace des heures de pédagogie quelque part. L'avantage de tourner un court-métrage avec des élèves dans le collège, c'est une façon de donner le collège aux élèves un peu plus et qu'ils se sentent un peu plus chez eux. Donc ça permet d'apaiser des fois le lien difficile qu'il y a avec l'école. Bon, j'espère que t'as un travail. Ouais, tu déjeunes, super. Allez, moi je vais finir de préparer là parce que sinon je vais être en retard. Tu penseras bien m'envoyer un message quand t'arrives devant l'école. Hein. Comme ça, pour pas que je m'inquiète. Pense à fermer la porte et à faire attention au chemin. La sacoche, j'ai bien oublié. Ok, super. Bon, bisous ma chérie, bonne journée. Et referme-moi bien la porte, je compte sur toi. Bisous. Bon, les douches, on n'a pas toute la matinée, là. Moi, je monte sur Lyon, là, vite. Regarde-moi ça, on n'arrive pas à avancer, ça te traverse n'importe où, c'est connerie sur connerie de bon matin. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Oh mais je le crois pas. Non mais, t'as vu ça? Tu le connais lui? Tu l'as déjà vu? Eh ben la galanterie ça se perd. Ça va, madame? Merci, mon petit. Ça va aller. Vous voulez pas vous asseoir deux minutes? Merci, je vais pas trop tarder. Vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, depuis qu'ils ont brûlé ma voiture, je suis obligée de le prendre, ce bus. Au soir, après les cours, tu rentres directement à la maison, d'accord? Ouais. Et tu traînes pas, oublie pas. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ce soir, je travaille de nuit, je suis d'équipe, tu vas aider maman à la maison. Être en retard. Paxta, tu parles comme ça, t'as trop pris la confiance. Anna, qu'est-ce que tu dis? Vas-y, barrez-vous, vous êtes.
Wesh photo, t'étais où? On était une putain de soirée. Il y avait de ces meufs. Mais t'es sérieux là? De toute façon, on y retourne ce soir, tu viens? Ah, je peux pas ce soir, j'ai un truc de prévu. Ah ouais? Ouais. Vas-y, à plus. Du coup, bah là, je te dis, bonjour. Bien? Ouais, je suis bien. Wesh. Vas-y, commence pas là. Quoi? Oh, c'est pas la meuf sur qui t'es en love, elle? C'est pas ta crush? Vas-y, arrête tes bonnes. Et hein, toi? Arrête de faire la zob. Vas-y, arrête de te casser les couilles là. Où les meufs, c'est même pas visé. La couille, va vite! Bonjour. Les jeunes, vous pouvez baisser un peu votre rap, là vous gênez tout le monde. Qu'est-ce que t'as toi? On t'a parlé? Tu montes à rond? Non mais c'est bon, il y a du monde dans le bus, on veut juste être tranquille. Vas-y, vas-y, là, retourne-toi. Mais ça va, je suis un adulte, là je te parle, c'est tout. C'est bon! C'est bon! Hé, on se calme s'il vous plaît? Mais vas-y, 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 là, casse pas les couilles, va t'occuper de ton bus. Je m'en occupe du bus là, tu vois. Et pendant que je laisse ma fille se débrouiller toute seule, et bah je prends le temps avec des jeunes comme toi. Parce que tu dois apprendre à respecter les autres. T'es pas tout seul dans le bus. Ça va durer encore longtemps. Faut que j'aille au marché. Mais enfin, madame, vous voyez bien qu'il y a un souci, franchement. C'est pas mon problème. En fait, au début, c'était quand même compliqué de se mettre dans la peau d'une personne qu'on n'est pas vraiment. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le bus, quand ils demandent à d'autres personnes, à des jeunes de se calmer, les jeunes répondent vraiment comme ça. Tu as déjà vu des jeunes répondre comme ça? Bah, peut-être pas en face, mais dans le dos, ouais. Dans le dos, d'accord. Pas en face. Bah, déjà, je trouvais que c'était bien réalisé, avec des belles scènes et tout. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver, par exemple, le père qui dit à se dépêcher à son fils, qui commence à partir vite et tout, et qui voit des jeunes qui disent mais ils font n'importe quoi. Puis même dans le bus, ouais, ça a déjà arrivé que des jeunes, ils parlent pas spécialement de la musique, mais ils parlent assez fort, ils commencent à crier, à faire un peu n'importe quoi. T'as déjà vu des scènes comme ça en prenant le bus, par exemple? Ouais. Moi? Moi, je me suis retrouvée dans la scène où y a bah, le personnage principal qui crie. Et puis autour, il y a les gens, ils filment et tout ça. C'est déjà arrivé, enfin. Au collège, parfois, ça arrive qu'il y ait des gens qui se battent, par exemple. Et puis autour, il y a une grande foule. Et puis... Ils en font quoi de ces images qu'ils prennent avec leur portable? Ben, il y en a, ils les mettent sur les réseaux sociaux. On se rend compte qu'à plein de moments dans ce film-là, dans nos relations courantes, parce que ça, c'est aussi ce qu'on vit dans notre vie en général, il y a effectivement des moments où on se parle mal et où on prend ça comme après normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les deux ou trois filles discutent avec le garçon, finalement, ça dit des gros mots, mais c'est pas grave, c'est le langage courant. On s'en moque, quand le grand frère tient son petit frère, ou je ne sais qui, par le col, bah, c'est normal, c'est une façon de se comporter. Quand la personne âgée
ne pense qu'à elle-même en disant « moi je m'en fous de ce qui se passe dehors, je dois aller au marché », c'est aussi une façon quotidienne qu'on a de faire glisser les choses. Et moi, ça m'amène la réflexion de dire que si chacun de nous, à un moment donné, on faisait un peu attention à ces détails-là, que je fais moi-même hein, aussi dans ma vie, bah, peut-être qu'il n'y aurait pas ces dérapages qui amènent une jeune fille à manquer d'être écrasée, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Gage courant de dire des insultes ou même de parler mal à ses camarades, ses amis. Alors que maintenant, bah, c'est comme si je te dis. Enfin. Je peux dire. Allez, vas-y, chante. Ferme ta gueule. Bah, pour, en fait, les, avant c'était. Ça voulait dire veuillez vous taire. Voilà. Vous taire. Alors que avant c'était juste tais-toi. Maintenant c'est. Enfin, c'est plus vulgaire pour parler. Alors moi j'ai assisté à 3 débats. J'ai été assez surpris. Effectivement, de la maturité des enfants. On voit bien que un sujet qui peut paraître ardu pour les enfants, finalement, ils l'abordent et s'en emparent. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on se limite. Éduquer, c'est risqué. Et puis, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, plus on remet ça sur le métier, plus on travaille ces questions-là avec les enfants, le plus tôt possible, mais pas qu'avec les enfants, avec leurs parents, avec nos concitoyens, on peut espérer quand même quelques petits résultats. Et ça, c'est capital. Quand la petite fille, enfin la fille, l'adolescente même, sort de chez elle et qu'elle a l'ascenseur avec le garçon, en fait, j'ai cru que le garçon avait de la colère contre elle. Et en fait, on comprend qu'au final, il est amoureux d'elle. Et je trouve que ça représente bien en ce moment les sentiments qu'on dévoile. On n'ose plus dévoiler les sentiments et on préfère montrer un peu d'agressivité ou de méchanceté au lieu de dire bon ben. Même dans quelque chose d'aussi beau. Voilà, même dans quelque chose d'aussi beau, il faut que ça se transforme en. L'amitié, on est obligé de se parler mal. Voilà. Je crois qu'il y a certains comportements de certaines personnes qui sont choquants de nos jours parce que. Ils se parlent mal, grossièrement, et c'est tout à fait normal. Alors qu'avant, dire un gros mot, c'était quelque chose de pas bien. Ça reste quelque chose de pas bien, mais les gens, ils ont banalisé ça. Ils trouvent que c'est normal, ils parlent tout le temps comme ça. Avant, c'était un langage qui se faisait pas, dire ça. On avait peut-être un autre langage. Donc ça se trouve, le langage qu'on va utiliser maintenant sera peut-être commun dans quelques années, et d'autres mots seront impolis. Enfin, non, pas impolis, mais au sens qu'on ne dit pas du tout. Parce qu'il y a des mots que nous on dit et que les personnes qui parlent, enfin qui, je sais pas, les personnes âgées on va dire, qui ne disent pas, qui ne, enfin, ils parlent disent. Pas, oui, qui ne disent pas du tout. Alors que peut-être, dans 10-15 ans, le langage qu'on utilise maintenant, qui peut choquer, sera tout à fait normal et un nouveau langage pourra choquer. Alors ce qui était très intéressant au niveau du débat forum, c'était la participation active des jeunes, d'autant plus beaucoup de questions ont été posées à la conductrice. Pour savoir un petit peu comment elle vivait les choses. Beaucoup de questions ont été posées également aux contrôleurs, puisque le métier de contrôleur peut apparaître comme un travail répressif, mais un contrôleur ne fait pas que de la répression, il est là aussi pour faire de l'information clientèle, renseigner les voyageurs, et ça a permis un peu d'enlever, on va dire, une mauvaise image, si je peux appeler ça comme ça, de notre métier au travers des débats forums, et bien faire comprendre aux jeunes qui étaient présents, comment est notre métier. Le lien, c'est vraiment primordial pour nous, parce que je trouve qu'on avance mieux quand on est groupé et qu'on avance main dans la main, parce que c'est vrai que c'est, on construit plus de choses et voilà, et on va pas à l'encontre des gens, on n'est pas là pour les incriminer, on n'est pas là pour les juger, on est là vraiment pour les aider. Donc forcément, on a des familles qui sont en situation de difficulté, qui ont peut-être du mal à gérer leurs enfants, donc c'est peut-être eux qui font effectivement les dégradations. Donc en fait, voilà, on n'est pas là pour les amender, hein. On est là vraiment pour dire peut-être qu'il y a un problème de fond, hein, en fait. Et je pense que ce lien-là, on est en train de le faire. Et ça fait quelques années, ça fait un an ou deux ans, où on dit on avance, peut-être à pas de fourmi, mais on avance. L'idée, c'est on est une administration pas forcément bien connue, pas forcément appréciée des jeunes. Et puis, c'est de donner un petit peu une autre image. Faire connaître quel est notre travail, quelles sont nos missions, en quoi on peut être éventuellement aussi un objectif pour certains jeunes, hein, en termes d'emploi, parce qu'on est en phase de recrutement
de manière permanente. Donc voilà, si on peut être connu et créer un lien un peu différent avec la jeunesse de l'arrondissement, on est tout à fait enclin à s'associer à ce genre de dispositif. Oui, jeune homme. Alors justement, une incivilité, on va, pendant tout le débat, on va en parler ensemble. Moi, j'ai une définition très très simple qui est de dire c'est tout ce qui empêche les êtres humains qu'on est tous, ici avec nos différences et nos qualités, de vivre ensemble. Mais de dire des gros mots, c'est pas grave. Tu crois que c'est pas grave de dire des gros mots? C'est pas. Pourquoi c'est pas grave? Moi, je voudrais comprendre pourquoi tu dis c'est pas grave. Bah, parce que ça, c'est juste des mots qui sortent de la bouche et pas des gestes. Et est-ce que tu penses que des mots peuvent faire aussi mal, voire plus mal que des gestes? Oui, oui, c'est obligé. Toi, tu penses que non? Après, tu peux pleurer si c'est abusé après. Alors, si c'est vraiment abusé, tu peux te sentir vraiment harcelé cette fois-ci et tu pleures. Mais des fois, on pense pas. Par exemple, si je me dispute avec quelqu'un, après j'insulte quelqu'un, je vais pas le penser. Bon, alors, je vais le dire parce que je suis énervée, mais je vais pas le penser. Parce que par exemple, si on me dit, tu peux le dire? Oui. Si on me dit gosse de mort, ça te blessera peut-être plus que si on te donnait un coup de pied. Oui, et des fois, tellement t'insultes la personne, elle peut en venir à se suicider. Alors que normalement, le truc qu'il faut faire, eh ben, c'est de ne pas répondre par rapport à ce qu'il nous dit. S'il nous insulte, on ne va pas répondre en l'insultant, on va répondre en l'ignorant, et c'est le seul moyen qu'il arrêtera de nous insulter. Enfin, je veux dire, avant, on était plus tranquille. Enfin, je pense que si un jour on regardait les cassettes vidéo, par exemple, des personnes les plus âgées, on verrait que la vie est mille fois mieux, qu'on s'insulte pas, qu'on... Enfin voilà, que c'est mille fois plus calme, et que, alors que maintenant, notre génération, c'est complètement du n'importe quoi. Hé, jeune homme, ça se fait pas de parler comme ça. Ça se dit pas. Oh, ça pourrait être ton père. On pourrait parler. Donc toi tout seul tu pourrais pas, mais est-ce que à deux tu pourrais? Ouais. Tu te sentirais prêt à le dire? Ouais. Si on était trois, viens là, mets-toi là à trois. Est-ce que à trois tu te sens encore plus en confiance de le dire? Tu peux te mettre là? Est-ce que à quatre vous vous sentez plus en confiance de dire à quelqu'un qui met ses pieds ou qui parle mal à un adulte de lui dire oh ça se fait pas ce que tu fais? Alors moi je suis le jeune, je suis là. Au début, toi, tout seul. Vas-y, pars-toi, qu'est-ce que tu racontes, là? C'est pas ton problème, à toi. Là, vous êtes quatre. Est-ce que je vais avoir, moi aussi, le même courage? Non. Peut-être je vais me retenir. Puis je me lève. Allez, vous êtes quatre, mais moi, je me sens costaud. Tu te lèves ou tu te lèves pas? Bah, lève-toi. J'ai pas dit que tu vas me taper. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah arrête. Ben voilà. On a réglé le problème parce que tous ensemble, on s'est levé, on n'a pas utilisé de violence, on n'a pas frappé quelqu'un, on n'a même pas agressé verbalement, on a parlé gentiment. S'il te plaît, jeune homme, est-ce que tu pourrais arrêter? Et ça, si on se met ensemble pour dire que quelque chose nous gêne, dans le bus ou dans la classe, eh ben je vous assure que les personnes qui agressent, insultent, ont des comportements négatifs, ils s'arrêtent. J'ai l'impression que la fille, elle se fait harceler. On aurait dit que tous ceux qui la prenaient en photo ou en vidéo, on aurait dit qu'ils l'aimaient pas, en fait. Et que du coup, bah, c'était pas sympa pour elle parce qu'elle a failli se faire écraser et qu'ils auraient pu au moins faire un geste de secours, aller vers elle et lui demander si ça allait. Moi aussi, ça m'a beaucoup touchée parce que moi, j'ai déjà vu des gens dans la rue qui ont fait un peu pareil. Chacun, on a des problèmes, mais on ne se rend pas compte que les problèmes peuvent être convergents. Donc on essaye de mettre autour de la table, aussi au niveau de la ville, des gens qui ont les mêmes difficultés pour qu'ils les croisent. Il y a une difficulté qu'on a parfois, pas juste à Villefranche, mais un peu partout aujourd'hui, malheureusement, c'est que les gens, des fois, se comportent pas très bien. Ce n'est pas forcément des choses très très graves si on les prend une par une, mais quand on les conjugue tous les jours et toute l'année pendant des années, eh ben, ça fait que le quotidien n'est pas forcément très agréable. Je vais te lever ici. Je vais vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie, c'est une élève de CM2. À chaque fois que vous allez sentir un énervement, d'accord, un stress,
dans mon histoire, vous allez souffler. Vous allez faire comme ça. Mardi matin, demain matin, elle se lève à 7 heures. C'est énervant ou c'est pas énervant? Énervant. Alors soufflez, soufflez, et tu vas gonfler le ballon. Elle finit par préparer son sac, elle fait son sac, et elle sort rapidement. Elle arrive vers l'ascenseur, elle appuie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. L'ascenseur, il est en panne. Elle est énervée ou elle n'est pas énervée? Souffle. C'est vraiment énervé. Vous avez déjà, elle n'est pas encore sortie de la maison, qu'elle a déjà tout ça d'énervement. Tiens bien le ballon. Elle a déjà tout ça d'énervement. Elle sort, elle court vite, vite pour l'arrêt de bus, et là, elle voit le chauffeur. Juste au moment où elle arrive, le chauffeur, il démarre. C'est énervant ou pas? Alors Sophie, comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? Le ballon dans la bouche. Et là, Sophie, lui, là, sa copine qui s'appelle Angela, elle lui dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est ce que nous, tous, on a à l'intérieur. C'est-à-dire toute la journée, toute la semaine, on accumule des petites choses comme ça. Et elle a explosé contre qui? Sophie, sa meilleure amie. C'est pour ça que des fois quand tu dis, eh ben mes amis, qui a pu... des fois on se dispute avec ses meilleurs amis. Parce que, à l'intérieur, ce petit ballon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, on n'a pas trouvé les bons moments pour les faire se dégonfler. C'est comme toi, par exemple, quand il y a deux camarades qui se bagarrent, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te mettre au milieu. Tu vas ni être pour lui, ni pour elle. Tu vas essayer de te mettre au milieu en disant stop, on arrête et j'écoute ton point de vue, et j'essaie éventuellement de faire des propositions, des solutions. Ce qui est intéressant, c'est dans le film, par exemple, on voit même le papa dans la voiture qui dit mais c'est quoi ces conneries? Même le papa, il a aussi des glissements dans son vocabulaire où moi, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu mon père dire des mots comme... conneries, etc. Et je voulais juste attirer l'attention que la responsabilité de la politesse des enfants, ça pose pas toujours sur les enfants, mais sur les parents. À 80%, on peut dire sur les parents. Parce que si je vais dire à mon enfant, il faut dire bonjour, et moi je dis pas bonjour à mon enfant le matin, il apprendra jamais. Mais il faut comprendre, en tant que parent, que les enfants sont comme une feuille blanche. On peut écrire ce qu'on veut dessus. Et ça augmentera tout doucement. Ce qui était marrant, c'est qu'on pouvait voir les différents points de vue des gens et de ce qu'ils pensaient. Par exemple, la vieille dame, on pensait qu'elle était complètement inoffensive. Alors qu'à la fin, on voit bien que la femme qui était dans le bus, elle lui dit oh bon, c'est pas que j'ai que ça à faire, moi, hein, j'ai mon marché à faire. Alors qu'en fait, c'est la fille de la. La femme, elle lui répond mais vous voyez bien qu'il y a eu un problème là. Elle fait bah, c'est pas mon problème. Donc on voit, c'est très bien ce que tu as observé, parce qu'on voit à la fois qu'il y a des personnes qui se sentent victimes d'incivilité, d'accord, de manque de savoir-vivre, mais que aussi des fois, ces mêmes personnes elles-mêmes produisent des propos ou des actes qui ne sont pas très corrects, pas très polis. Les incivilités, ça vient souvent quand même du non-respect et de la méconnaissance de l'autre. Finalement, si on se connaît mieux, il y a quand même fort à parier que les choses s'améliorent. Que c'est très intéressant son métier, que c'était bien qu'il soit venu au débat et que c'était très intéressant de le voir et c'était bien de le voir, c'était intéressant de connaître ce qu'il fait, à quoi représente son métier. Parce que c'est pareil, l'uniforme c'est très représentatif donc pour l'adolescent et le fait qu'il fasse autre chose que son service de policier, on va dire, hein, d'homme de loi, et ben je pense que ça doit être positif, ça aussi, pour les jeunes. Donc maintenant, il faut passer de la parole à l'acte et puis faire en sorte que chacun puisse, dans sa vie, se dire, prendre un engagement, de dire, ben voilà, cette petite incivilité que je fais régulièrement, je m'engage à ne plus la faire et petit à petit je ne la ferai plus du tout, je ne jette plus de papier, etc. Et je pense que petit à petit on doit arriver vers un monde meilleur. Dans ce que nous pouvons ajouter, c'est un travail de longue haleine. Nous avons créé du lien avec les jeunes, avec les parents, avec les différents intervenants tels que les chefs d'établissement, les forces de l'ordre, les bailleurs sociaux.
Nous avons limité à travers ce projet une nouvelle forme d'incivilité qui était en train de se créer. Et nous sommes très attentifs justement au confort de nos voyageurs, également de notre personnel. Et il est important de continuer ce genre d'action afin de bien sensibiliser les différents acteurs au niveau de notre métier. Le message, qu'il est peut-être facile d'entrer sur des terrains de traverse ou sur des voies de traverse, parce qu'on le voit malheureusement au niveau des chiffres de la circonscription et au niveau des chiffres de la délinquance en général au niveau national, la délinquance des mineurs, c'est une délinquance qui augmente. C'est une délinquance peut-être facile, c'est une délinquance peut-être un peu bête à un certain âge, c'est des dégradations, c'est des petits vols, c'est des petits larcins, c'est des choses qui vont impacter. Au niveau de la vie de ces jeunes, le fait d'être connu des services de police, ça peut avoir des conséquences au niveau professionnel. L'idée, c'est de faire un petit peu comprendre aux jeunes quelle est la barrière à ne pas franchir, et puis d'aider tant soit peu nos partenaires, éducation nationale, mairie et autres, sur un certain nombre de dispositifs pour récupérer des jeunes qu'on peut malgré tout déjà identifier à un certain âge comme susceptibles de rentrer sur des chemins un peu particuliers, et puis voir si on peut et on doit intervenir pour ces jeunes-là. Alors, si on fait le bilan, et on l'a fait avec les équipes d'une manière très, très objective, le bilan il est vraiment très positif. Maintenant, si on veut se tourner vers le futur, je pense qu'il faut perdurer ce genre d'action en évitant de s'enfermer dans l'événementiel, c'est-à-dire que ce partenariat, ces rencontres avec les transporteurs, avec la police, avec les bailleurs sociaux, il faut qu'elles s'inscrivent dans la continuité, dans la durée. Ça permet un travail de réhumanisation des personnes pour les élèves, et dans tous les cas, on pourra atteindre des objectifs qu'on s'est fixé que si on s'inscrit comme ça dans des actions durables et répétées. Le plus dur dans une ville, on est un petit peu plus de 37 000 caladoises et caladois, c'est d'arriver à vivre ensemble. On n'a pas les mêmes âges, on n'habite pas au même endroit, on ne pense pas forcément à la même chose, on ne vient pas du même endroit, on n'a pas forcément le même mode de pensée. N'empêche qu'on est ensemble dans la seule communauté qui vaille, c'est la communauté d'une ville, c'est à côté des caladoises et des caladois. Et tout ça, ça demande d'avoir un petit peu de retenue. On ne peut pas se comporter dans la rue comme on se comporte chez soi, on ne peut pas être complètement naturel. Donc il y a des droits et des devoirs. Ce n'est pas juste une formule, ce n'est pas qu'un slogan. C'est de se dire, quand on s'impose un petit peu ça, quand on se fixe ces contraintes-là, c'est aussi pour arriver à bien vivre avec les autres. Et c'est quand même le plus grand luxe qu'on peut se payer, de bien vivre avec les autres dans une commune. Quand on est ensemble, c'est toujours un peu plus enrichissant que quand on est tout seul. Quand on est ensemble, la vie est toujours un peu plus gaie que quand on est tout seul. Mais pour être ensemble, il faut accepter ses droits, mais il faut aussi accepter ses devoirs. C'est pour ça qu'il faut vraiment, sur les incivilités, qu'on arrive à stopper ça, que chacun en prenne conscience, parce que c'est ainsi qu'on devient un bon citoyen, mais c'est surtout comme ça qu'on devient un bon voisin, qu'on devient un bon camarade, qu'on devient un bon citoyen d'une ville et qu'on vit tous ensemble correctement. Ce projet n'aurait pas pu se faire sans la participation de plus de 270 élèves âgés entre 9 et 12 ans, issus de 5 établissements scolaires différents. Ce projet n'aurait pas pu se faire sans la participation de plus de 30 partenaires locaux. Merci à eux. Eh bien, un grand merci. Vous avez pu voir tout le travail que c'était pour nos jeunes, pour les petits Calédois qui nous ont aidés à mener à bien ce projet. Donc un grand merci pour eux, un grand merci pour tous nos partenaires et puis pour tous ceux qui nous ont permis de mener à bien ce projet, et notamment les établissements scolaires. Merci. Merci. Merci.